Marseille. Ville dont je dois vous l'avouer dans l'intimité que favorise cette lettre, j'ignore tout. À l'exception de l'enthousiasme qu'a toujours éveillé en moi Alexandre Dumas et son comte de Monte Cristo, que vous devez connaître par cœur. Je dois ajouter que c'est pour moi un plaisir qu'un projet commun nous rassemble. Vous me parlez de Monte Cristo. Figurez-vous que pour ma première étape de résidence, je serai justement dans un appartement du Vallon des Offres, situé juste en face du château d'If. Dixie, Google Maps. Ma prison sera plus dorée que celle d'Edmond Dantès. Et ma détention beaucoup moins longue, comme vous. Un an. Je suis sûre que cette ville est propice à l'inspiration. If. C'est un bon début. If Marseille. C'est un joli titre. C'est une belle promesse. On nous demande d'écrire pour qu'enfin en Europe, on prenne Marseille au sérieux autre part que sur un terrain de foot. Savez-vous qu'il y a des supporters de l'OM et pire, des spectateurs de PBLV, ça c'est plus belle la vie, partout en France, même sur mon palier lillois. Quelle horreur! Dixit, ma convention de résidence. Vous explorerez les arrondissements de Marseille à chaque date anniversaire du 13 et du 13 inversé, c'est-à-dire le 31. Par tirage au sort, vous changerez de résidence et d'arrondissement. Sauf que j'ai compté il y a 20 dates d'anniversaire, jusqu'à janvier 2013. Et à ce que je sache, il n'y a pas 20 arrondissements dans la ville de Marseille. C'est pas Paris. À Marseille, j'ai vérifié, il y en a 16. Je ne sais pas qui prend ces programmes de résidence, sans doute un Parisien, vu qu'il y en a plein dans l'équipe de Marseille Provence 2013. Enfin, passons, je reprends. En arpentant les 16 arrondissements, vous dresserez une carte anatomique et articulerez les parties qui constituent le corps de Marseille. Voilà un joli terrain d'aventure. Vous qui êtes du Nord, vous avez dû entendre parler de la réputation latine des Marseillais. Mais moi, latin, je les suis. Personne ne peut me tromper. Enfin, c'est tout au moins ce que je croyais. Le chauffeur, un Tunisien, m'a amené aux quatre coins de la ville et m'a fait visiter le port, alors que je ne lui avais pas demandé. Comme vous pouvez le supposer, je n'ai même pas admiré les eaux dormantes du quai de la Fraternité, qui, soit dit en passant, a besoin d'un bon petit nettoyage. Inquiet, comme je l'étais, de la rapidité avec laquelle le compteur défilait, il affichait déjà 98 heures. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller trouver l'inspiration auprès de la bonne mère, celle qu'on voit de partout. Vous avez remarqué que, où que l'on soit, Big Mother is watching you. Quand on s'intéresse à une personne, il faut d'abord s'intéresser à ses yeux. J'ai pris mes clics et mes claques, bien décidé à placer les yeux sur la carte anatomique du corps de Marseille. Bienvenue dans mon pointu. Je suis montée dans la barquette marseillaise. Ça, c'est le zizi de Marius, autrement appelé le pain de sucre. Je plaçais donc le zizi sur la carte anatomique du corps de Marseille. Et ça, c'est le vagin de Fanny, lui ai-je répondu en montrant le petit port de pêche. Un ange a passé. Ça, c'était de l'humour belge qui me venait directement de mon père bruxellois qui épousait une française. Au sommet de l'obélisque, seule la mouette riait et ne semblait pas perturbée par l'érection pagnolesque. C'est une grosse mouette, plus grosse qu'à Dunkerque, lui ai-je dit. Il fallait lui retendre la perche. C'est un gabion, m'a-t-il répondu sèchement, fier de son goéland marseillais. Et le petit port derrière, c'est pas Fanny, c'est l'Anse de Malmousque. Alors on vous a imposé un titre, le roman de Marseille. Il va vous falloir écrire à la première personne marseillaise. Demandez conseil à Marseille Pagnol, célèbre gloire marseillaise. Lui, il en a écrit plein de romans de Marseille. La gloire de mon père, le château de ma mère, le garage de mon grand-père. George Orwell a dit, il est décidé d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire. Je remonte la rue du Vallon des Offres. Et vise en point de mire la bonne mère, je pris un boulevard aussi large qu'une rue, le Rikiki Boulevard Marius Thomas. Après, j'entrais dans une avenue aussi large qu'une rue, l'impasse du Vallon Jourdan, qui bientôt déboucha sur l'impasse Melchior Guinot, qui elle-même déboucha dans l'impasse du Belvédère. Notez qu'à Marseille, les boulevards, les avenues, les rues, les impasses et les carrés eux-mêmes. Ici, les mots n'ont plus de valeur. Je débouche tout essoufflé, tout excité sur la plateforme de la Kitsch Basilique. Je vous conseille la vue à 360 degrés sur tous les quartiers de Marseille. Pour envisager une ville, il faut pouvoir la regarder de haut. Mes talons résonnent sur les dalles blanches aveuglantes de lumière.
Une, deux, la marche comme un métronome. Respectez le compas, me répète inlassablement ma prof de flamenco. Le compas, c'est le rythme, l'âme de la musique, l'âme de la danse, l'âme de l'écriture. Je pense que l'écriture est une musique, une danse, une transe. Je texte, je performe et me filme à l'iPhone. Je slam et en slalomant entre les crottes de chien. Marseille, quel est ton compas? Quel est ton rythme le plus profond? Es-tu flamenco, tango, rock, rail ou techno? En contrebas, j'entends battre ton cou sur le vieux port, circuler ton sang le long de l'artère canadienne. Marseille, si tu m'ouvrais ton cœur. Marseille, si. If. Marseille. Ah, Marseille. J'aimerais qu'on vous écrive if, Marseille, if, si, peut-être. Voilà 10 jours que je suis dans ces ports et les contre-coups de mon arrivée est toujours là. Si je ne suis pas renversé par un motard fou, c'est par un automobiliste qui a oublié les freins à la maison. Vous comprenez ça, vous? Je n'ai encore jamais vu une telle imprudence aux dépens du piéton, comme ici. Comme si nous étions des hologrammes. La voiture a démarré sur la plus belle avenue du monde. À droite comme à gauche, les kebabs défilaient. Et incité à la rébaptiser, la kebab bière. La voiture a basculé. À gauche, mon cœur s'est serré. C'était donc cela, les quartiers nord? D'un côté, il n'y avait pas âme qui vive. Chacun restait chez soi. Seuls quelques chiens en laissent promener leur maître avant les films du dimanche. De l'autre côté, c'était un fourmillement des gens sortant, rentrant des taxiphones, des mouettes perchées sur des poubelles, crévant de leur bec des sacs plastiques et rien. La gueule ouverte remplie de détritus, des rats se poursuivant, franchissant en toute impunité la ligne blanche. De jeunes femmes en pantoufles bleues ou en peignoir ou pyjama rose, déambulant dans la rue comme dans leur living room. Oui, à Marseille, la rue était living, living, vivante. Vous comprendrez que je n'ai pas pu faire autrement que de m'arrêter d'écrire votre lettre et de sortir me promener pour me changer les idées, cherchant l'abri de la nuit, là où reposent toutes les questions. Mais aussi toutes les réponses. On sait bien que lorsque le soleil s'éteint, l'univers s'agite. Je suis descendu jusqu'à la corniche. J'arrivais devant le faux et assez inopportun, le faux David de Michel-Ange. Puis j'ai tourné sur l'avenue du Prado, surpris par sa largeur et ses arbres, dont les feuilles me semblèrent impatientes de renaître du long hiver. C'est alors que la tranquillité fut troublée. Un spectacle dantesque. Le fond, le feu, consumait l'emblématique cité radieuse de Le Corbusier. Les flammes ne permettaient pas de savoir combien l'appartement avait eu des dégâts. Je me suis senti particulièrement affligé. Et j'ai maudit la nuit, traîtresse. Tout ce qui est beau et tout ce qui est mauvais arrive toujours la nuit. Pour moi, pas de radiateur. Un seul chauffage d'appoint à pétrole. Mieux vaut l'éteindre pour la nuit. Il paraît que c'est du genre l'appareil qui est à l'origine de l'incendie de la cité radieuse. Faudra la rébaptiser cité radiante. Je vous écris de la brasserie Les Danaïdes, que vous m'avez recommandée. Ce matin, je suis sorti de chez moi pour chasser l'inquiétude qui ne m'a pas quitté depuis ma visite à Aix. Alors que j'avais commencé à tisser les premiers fils du roman de Marseille, j'ai découvert Aix. Chère ex-patrie, à peine arrivée à Marseille et déjà à Aix-en-Provence, c'est un crime de lèse-majesté. Savez-vous qu'en France, chaque ville a sa rivale? Metz ne blaire pas Nancy. Lyon et Saint-Étienne ne se supportent pas. Rennes et Nantes se disputent la capitale de la Bretagne. Saint-Quentin et Amiens ont rivalisé pour la gare TGV Haute-Picardie, si bien qu'elle a terminé non pas dans les choux, mais au beau milieu d'un champ de betteraves. C'est bien connu. Aix, la bourgeoise, ne supporte pas Marseille, la prolétaire, et vice-versa. Faites attention, nos aixoises. Bien plus dangereuses que les cagoles marseillaises. Ces dernières, on les voit arriver de loin, habillés en sportwear, arpentant la rue Saint-Fé. Et les courbelles sens. Les aixoises, elles, sont pires que les parisiennes. Elles n'ont pas les ponts, mais les courts Mirabeau. Bien plus sexy
que les cours paient le sens. J'ai cru qu'il était déboussolé. Sur le ton de la fausse confidence, il m'a demandé « Et vous, quel âge avez-vous lors de votre première expérience sexuelle ?» J'ai eu pitié, j'ai voulu le rassurer. « Vous savez, moi, c'était 14 ans. »« Eh bien, nous irons dans le 14e arrondissement. » Nous roulions sur le boulevard Plombière, portait le nom d'un deal secret du Second Empire, qui annonçait d'autres deals, celui de Cité Nord, Plomb, Bière, après Cannes, Bière. Était-elle l'annonce au pluriel de ma mise en bière dans les quartiers Nord? Plomb, Bière, ça vous plombait. Le dédoublement du boulevard en passerelle routière vous bouchait l'horizon. Et puis, tout à coup, j'y suis tourné à droite, s'enfonçant irrémédiablement dans les 14e. J'étais en train de chercher ma première voiture calcinée, quand j'ai cru que notre berline allait être avalée par les mâchoires en béton d'un carrefour sur pilotis. « Bienvenue dans les quartiers du Merlan, » m'a dit J.C. « Ne vous inquiétez pas, c'est une cité tranquille. Vous logerez chez l'habitant, 13e étage. » Encore un 13. Chaque jour, avec MP 2013, j'ai fait des indigestions. Des 13. Je prends l'ascenseur en route pour de nouvelles aventures. Papier, sandwich, griffonné, froisé. Rajouté à la lettre du 23 février. Aujourd'hui, je manquerai la prière de la nuit. Au snap, le 14e. Je vous écris une balle perdue dans mon kebab. Coup de chance, c'est moi qui ai eu la fève. J'ai tout filmé à l'iPhone. Enfin, à plat ventre. J'ai surtout filmé le sol. En off, seul les cris des clients. Demoiselle K, reporter des guerres dans les cités. PS1, JC m'a envoyé un SMS. Il paraît que ça craint trop de rester là. Je dois déménager, fils. PS2, après mûre réflexion, j'ai décidé de faire figurer ces faits divers sur la carte anatomique du corps de Marseille.